Anna. Au-delà de laquelle il ne peut évidemment pas aller. 5 millions d'hectares. Ils sont fous, ces Américains. Et ça ne t'intéresse pas? Pas du tout. Ma tante, permets-moi de te faire observer que tu n'en fais rien, des vignes. Depuis plus de 15 ans, tu les loues. Tu ne sais même plus où elles sont. Oui, mais ce sont mes vignes, les vignes de mon père et du père de mon père. Bien sûr, mais tant qu'à louer à longueur d'année les vignes du père de ton père, autant les vendre, surtout à ce prix-là, non? Oh, mais alors, mais dis-moi, comment es-tu au courant de la visite de ce monsieur Branson? Parce qu'à la suite de tes refus successifs, il s'est procuré mon adresse et il m'a rendu visite à moi aussi pour me prier d'intervenir. Et si j'ai accepté, c'est... Et si j'ai accepté, c'est qu'il s'agit de moi, je le répète, une affaire absolument fantastique. Mais passagère, a bien précisé M. Branson, si pas Bordeaux, Nancy. Eh bien alors, Nancy, c'était peut-être là-bas qui va être content. Aucun doute, mais celui de Bordeaux va bouquer. Mais non, pas du tout, il est très fort, paraît-il. Mais parlons sérieusement. Enfant. Tu n'as pas le droit. Ah!